Aujourd'hui, nous sommes très fiers d'inaugurer la Maison des Familles. Comme son nom l'indique, elle est dédiée aux familles, aux enfants et à leurs parents ou grands-parents ou oncles et tantes. Son but va être de faire des jeux, de l'information, des ateliers, pour de l'aide scolaire si besoin, comment créer du lien entre les enfants et leurs familles. C'est très important. C'est aussi le lien aussi avec l'école, avec la maison de quartier, et tous ensemble, pour mieux vivre ensemble et améliorer le quotidien de l'ensemble de nos concitoyens. Nous pensons que la famille est la clé de voûte d'une société. À partir de là, il est évident que, on pourrait dire que sur un très très grand nombre de familles, tout se passe bien, mais qu'il n'en reste pas moins vrai qu'il y a certaines familles qui sont peut-être un petit peu plus en difficulté. Ça nous paraissait important de mettre dans ce quartier cette première maison des familles sur Aubagne. Donc on a choisi d'inaugurer la maison des familles en ce jour du 20 novembre, jour international des droits de l'enfant. Et c'est très symbolique pour Aubagne et pour nous, ville amie des enfants. Et en partenariat avec l'UNICEF avec lequel nous travaillons beaucoup. Ce lieu donc est aussi dédié à la famille, à Madame Mamie Imperator, qui était une figure du quartier. Elle était le point de ralliement des enfants. Cette maison familiale Mamie Imperator, eh bien voilà, donc on est très heureux de pouvoir l'inaugurer avec vous aujourd'hui. Merci. Voilà. Ouais.